Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Bon, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter rapidement les deux coffres du jour. Donc voilà, comme d'habitude, il y a un coffre qui est plus facile à trouver, mais aujourd'hui, les deux coffres sont très faciles. Donc voilà, le premier est à côté de la cabane de pêcheurs abandonnée. Donc voilà, juste à côté de l'aéroport, très facile à trouver. Donc voilà, un petit tour d'horizon comme d'hab. Voilà, histoire de voir un petit peu plus facilement où est le coffre. Donc voilà, au pied de l'arbre. Le premier coffre, celui qui est sur terre. Et aujourd'hui, celui qui est en mer est très très facile à trouver. Donc voilà, c'était pour le premier coffre. Donc franchement, très simple. Vraiment très facile. Voilà, pour le deuxième, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est un peu plus loin et dans l'eau. Mais on n'est pas obligé de passer le checkpoint. En fait, si on longe le côté gauche, on n'est pas obligé de passer l'espèce de petit barrage. Bah en fait, on n'est pas obligé de passer le barrage. On peut en longeant à gauche. Éviter de passer le barrage. On passe à pied, c'est plutôt facile, et on récupère le coffre. Donc c'est plutôt pas mal. Moi en l'occurrence j'ai garé la bécane, enfin la moto, juste derrière la petite crique là, juste derrière le rocher. Voilà. Donc très facile. Là, pas beaucoup de végétation, donc c'est plutôt facile. Là on le voit déjà, là, il est juste devant moi. Donc voilà, je fais un petit tour d'horizon histoire de bien montrer les lieux. Vous avez deux plans en image fixe à la fin de la vidéo pour vous aider encore un peu plus. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, vous abonner. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bon game. Allez, salut!